Alors je pense que les entreprises ont un rôle vraiment important à jouer pour construire une société plus inclusive. Elles sont le reflet d'ailleurs de la société et elles sont souvent exemplaires. Pour moi par exemple, qui viens du secteur public, puisque je suis magistrate, je suis chaque jour impressionnée par les capacités d'innovation des entreprises et notamment dans ce secteur de l'égalité femmes-hommes. Et je trouve que les pratiques, les méthodes qui sont parfois mises en place dans les entreprises sont très inspirantes. Je souhaite d'ailleurs dans mon ministère valoriser ces initiatives, les faire connaître comme des bonnes pratiques, parce que ce qui est développé dans certaines entreprises, parfois de grandes entreprises, eh bien aussi peut être approprié par d'autres entreprises plus ou moins grandes. Et d'ailleurs, il revient aussi à l'État d'accompagner ces entreprises dans la mise en œuvre de ces actions, notamment les plus petites d'entre elles. Il est important aussi que nous les aidions à mettre en place de tels dispositifs. Donc oui, le rôle des entreprises est important, inspirant. Vous voyez par exemple l'index de l'égalité professionnelle qui s'applique aujourd'hui dans le privé depuis 2018 va bientôt être appliqué dans la fonction publique. On voit bien que les deux secteurs se nourrissent l'un l'autre et que ce qui est développé au sein de l'entreprise eh bien, contribue pleinement à construire cette égalité entre les femmes et les hommes. Donc je ne peux que saluer le travail mené et je suis très heureuse d'être là ce matin. C'est un signe d'espoir, c'est un signe d'espoir donné à toutes et tous, filles et garçons, pour l'avenir.